gros, moi je m'appelle Sébastien, je suis guitariste et je fais des claviers aussi dans Feu Chatterton. Moi c'est Antoine, je suis bassiste et je fais des claviers dans Feu Chatterton. Et moi je suis Clément et comme Sébastien je fais aussi la guitare et des claviers. On fait tous des claviers en fait. Et Feu Chatterton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rock français qui est mélange avec la musique électronique, de la chanson. On est très inspiré par la musique des années 70 et le chanteur est très inspiré par un peu une sorte de poète un peu bizarre. Voilà, c'est un peu un mélange entre les deux. Dans l'esprit, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. Comme on est très inspiré par la musique des années 70, on a nous-mêmes acheté progressivement aussi des synthés de cette période-là. Et c'est vrai que pour notre dernier album, donc Palais d'Argile, qui est sorti en 2021, on a fait appel à Arnaud Robotini, donc qui est un producteur de musique électronique et un compositeur de musique de film, qui a la particularité, en tant que producteur de musique électronique, de travailler à l'ancienne, avec des boîtes à rythme anciennes, avec des synthés analogiques, et de les relier les uns aux autres grâce à des produits Arturia d'ailleurs. Voilà. On a fait appel à lui parce qu'il a une maîtrise des vieux synthés qu'on adorait dans sa musique, et c'est vrai qu'au moment où on avait composé l'essentiel des morceaux du dernier album, et ben, on avait envie de trouver quelqu'un, un réalisateur, un producteur qui soit capable un peu de nous amener plus loin sur le travail du son de synthé, et on s'est amusé à passer des journées parfois juste à régler un son de synthé. Ce qui aujourd'hui peut paraître bizarre, je pense que, on était dans un grand studio et on a passé, je me souviens, des demi-journées à trouver un son de synthé. Il y a dans le travail du son de synthé une forme d'orfèvrerie qui est même pas du jeu, hein, qui est vraiment juste. C'est comme choisir dans un orchestre quand t'écris pour un orchestre symphonique, que ce soit le violon ou l'alto, enfin, qui va jouer une partie, bah dans le son de synthé, il y a la même chose, les timbres, le choix dans la position en fait dans le spectre va jouer après dans l'arrangement, et c'est vrai qu'au-delà de la composition, le travail des arrangements et des sons comme ça, c'est un des moments où on devient les plus fous, on se perd le plus, et c'est le plus grand plaisir qu'on a. Si vous trouvez un indice, surtout ne touchez à rien. Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous paye pour votre spectacle. Bravo, vive les artistes. Pour nous, c'est un peu une récréation, enfin c'est un peu une cour de récré où on peut essayer plein de trucs, les musiques de films. Là pour l'instant, ensemble, en groupe, on est en train de travailler sur une troisième musique de film ou de série. Là en ce moment, on en a terminé deux. Et on fait ça un peu, c'est ce qu'il y a bien aussi là avec le groupe, et qu'on est en train de se rendre compte qu'on est en train aussi d'arriver dans une deuxième phase où on peut quand même aller explorer plein de choses, et notamment à géométrie variable, tu vois. Sébastien a parlé d'une musique de série qu'on a fait avant qui s'appelle Tutu Yutu, et donc il n'y avait pas de chanson dedans et il n'y avait pas de batterie, enfin on a quand même mis un peu de batterie, mais du coup on a décidé de la faire tous les trois pour vraiment se concentrer sur les synthés et essayer de faire des choses avec des plugins pour les maquettes, ensuite avec des séquenceurs, etc., et des vieux synthés. Et donc ça, c'est un des gros projets qu'on a fait, qui est de la musique des années fin 70, début 80. Donc c'est disco, électro. L'aérobic, c'est une state of mind. Si tu crois en toi, tu peux atteindre les sommets. Vous pouvez m'apprendre ? Je me suis jamais sentie aussi bien. T'as du bol que j'ai fait les courses. Hein. Et avant ça, on a fait une comédie musicale pour le dernier long métrage de Noémie Lvovsky. Donc là, c'était des chansons, c'était plus dans notre univers de chansonnier, disons. Sur la comédie musicale et sur la série, on a beaucoup utilisé la banque d'Arturia. Ouais, on a utilisé Jupiter 8, Prophète 5. Tu vois, par exemple, le son de Jupiter 8, on appelle Jupiter 8. Et on pouvait pas aller faire autrement, et en fait il passait très bien dans le mix, et ça le faisait. On a fait d'ailleurs presque, enfin grosse partie des maquettes, tu vois, c'est censé se passer les années 80, bah avec les plugins d'Arturia tu pouvais faire toute la maquette, ça marchait, et si c'était validé il y avait juste à réenregistrer. On persévère et on imagine ensemble un programme. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Certains sons sont très beaux, notamment je pense dans la composition de la bande originale de la comédie musicale, la flûte
Donc il y a un son de Mellotron qui est très beau, Strawberry Flute. Le danger, souvent, dans le travail de musique à l'image, c'est que tu vas construire une bande originale avec des sons. Donc, et le réalisateur, souvent, il est beaucoup plus attaché au son, parfois, qu'autre chose. Parce que le son, bah, ça crée une ambiance souvent visuelle, une émotion qui est plus forte parfois que les notes. Et du coup, lui, ça arrive très souvent qu'il ait envie de garder ce qu'on a fait en premier avec les maquettes. Et souvent, c'est vrai que nos maquettes, on les fait avec des plugins Arturia pour beaucoup de choses. C'est, alors, bien sûr, il faut que ça sonne le mieux possible, mais c'est surtout que c'est hyper pratique. Et nous, en l'occurrence, on n'est pas du tout tout le temps au studio. On fait beaucoup de tournées. Tu vois, ces musiques-là, on les a beaucoup, notamment Toutou Youtou, on l'a beaucoup faite en tournée. Et en fait, en tournée, on n'a pas tous nos synthés avec nous. Ou alors, il y en a certains qui sont sur scène, on ne va pas s'amuser. En fait, c'est galère. Et donc, en fait, avoir des très bons plugins que tu as dans ton ordi et tu prends un clavier MIDI, en fait, tu es dans ta loge et tu peux continuer à travailler. Donc, aussi, les plugins Arturia nous ont vachement servi pour ça, quoi. Même si tu as le vrai synthé, il y a toujours un moment où tu te dis « Attends, c'est génial, je suis dans le train, je suis dans la loge et tout, hop, j'ouvre un Jupiter 8, je fais ma ligne, je sais déjà si c'est une bonne idée ou pas, tu vois, tu peux tester, tiens, tu te dis « Ah ça, si je mettais une ligne de Moog, là, tu serais pas mal, t'essayes, tu sais tout de suite si ça va marcher ou pas, parce que t'es dans le timbre. » Et ça, c'est un truc qui n'existait pas avant, quoi. Enfin, c'est quand même super pratique. Non, on a fait beaucoup de dates, donc c'était génial. Après, il y a une fatigue, et surtout, on est hyper content de reprendre la tranquillité du studio, de la création. Ça fait 130 concerts, tu te dis, t'as envie d'avoir de la nouvelle matière à apporter et de chercher des nouveaux morceaux, quoi. Et puis, au bout d'un moment, t'en peux plus du studio. T'as la tête qui explose et t'as juste envie d'aller jouer devant les gens, quoi. Donc là, on est à la phase début du studio, c'est super excitant. Ouais, on a eu pas mal d'aventures sur scène. Et maintenant, on est passé à notre séquenceur d'amour. Le Key Step Pro. Non, maintenant, on a des séquenceurs Arturia. Et franchement, ils ont jamais planté, je crois, sur scène. Il y a une stabilité quand même qu'il faut souligner. C'est que, parce que voilà, s'il y a une erreur, c'est souvent la nôtre. C'est la première fois qu'on remet un peu de numérique, parce qu'on a eu des accidents traumatisants, notamment un ordi qui nous a planté un jour au Trianon. Mais du coup, on a banni vraiment l'ordinateur, même le MIDI pendant longtemps. On s'est dit, ce qui sort dans les enceintes, c'est ce qu'on joue et puis c'est tout. Et là, avec l'Arturia, on s'est repermis d'avoir un peu de... des processeurs, quoi, et ça marche bien, et ça a jamais planté. Enfin, à la différence d'un ordi et de bandes qu'on a derrière, ça, tu contrôles les machines et tu les joues, et donc c'est très vivant. Et puis en fait, il y a une ergonomie aussi dans le Keystep qui fait que ça te permet de faire aussi beaucoup de choses en live, même dans le contrôle des séquences. Et donc en fait, c'est très agréable, quoi. Et nous, là, sur scène avec Feu Chatterton, on a quand même une bonne install de séquenceurs, puisque Antoine a son Keystep sur son poste, qui cloque mon Keystep, et mon Keystep bien contrôlé en MIDI des synthés, le prophète de Seb de son côté. Donc on s'est fait, et le tout étant cloqué par la 808. Pour nous, en fait, c'est devenu quand même un truc assez central sur pas mal de morceaux. Ça permet de faire des séquences, donc de dégager aussi les mains quand on doit jouer des instruments, soit du synthé en direct, soit de la guitare. Et surtout, ça permet d'avoir des grosses séquences qu'on module en direct, tu vois, c'est quand même assez cool. Sur des morceaux comme la Malinche, tout le morceau est quand même basé sur une grosse séquence de Juno qu'on module en fréquence et en octave. Donc c'est hyper cool de l'avoir vraiment en séquence. Depuis qu'on a intégré le Keystep Pro, on s'est dit, attends, mais en fait, on pourrait séquencer le Juno, on pourrait rejouer des trucs qui étaient des samples qu'on va faire en live et tout. Ça nous a permis d'étoffer vachement de son sur scène. Moi, j'ai un autre setup avec un Keystep, avec d'autres machines, des trucs qui sont plus petits, qui permettent de faire du live plus facilement. Et quand je me branche, j'ai 4 machines avec le Keystep et je peux improviser pendant 2 heures, c'est un bonheur, quoi. Depuis tout à l'heure, on parle de vieux synthés, de vintage et tout. Bah, c'est le seul synthé... donc pas vintage qu'on garde et qu'on utilise, en fait, tu vois. Donc ça peut te donner une idée à quel point on l'apprécie. Non, franchement, c'est un super synthé. Voilà, on a,
il est toujours dans le studio, voilà. Donc c'est un espèce de couteau suisse qui est toujours là dans un coin si on veut faire un peu de recherche et tout. Mais en tout cas pour la prod, pour la recherche, il est toujours là. On l'allume toujours. Si on a besoin de chercher quelque chose, qu'on ait des idées. Puis voilà, il fait des choses que d'autres synthés ne font pas, qui n'existaient pas à l'époque du vintage. Et donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. T'as une idée en tête, tu peux plonger dedans, aller là où tu veux, là où dans d'autres synthés t'es assez limité. J'ai fait une musique de théâtre juste avec ça, ouais. J'ai tout fait, les basses, les violons, les trucs. C'est une idée vraiment comme le Keystep qui est quand même toute bête et qui est géniale d'avoir un AB et de pouvoir switcher plus lentement, que tous les paramètres switchent d'une valeur à une autre, de fixe, tu vois, et que ça module comme ça, c'est brillant. Puis c'est impressionnant, quoi, quand tu peux t'amuser avec, à te promener. Tu peux faire une progression sur 10 minutes, tu vois, d'un son à un autre, où tu connais le point de départ, tu connais l'arrivée, et tout ce qui se passe entre les deux, tu découvres, enfin, c'est super. On l'utilise pas mal. Quand tu me reviens, toi, sur l'autre rive, et tu es avec un autre.